Dylan Blondeau, botoxé à 16 ans. Le coup de gueule de Véronica Loubry. Vous n'avez pas honte de sortir des inepties pareilles, écrit la maman du mannequin. La chirurgie esthétique est le grand coup. De nombreuses célébrités, jeunes et moins jeunes, y ont recours pour se débarrasser de complexes ou correspondre à de nouvelles tendances beauté. Serait-ce le cas pour Dylan Blondeau? Sa mère Véronica Loubry sort de ses gonds pour la défendre. Samedi 17 février, Véronica Loubry a publié sur Instagram un diapo photo de sa super fille de 16 ans, Dylan Blondeau. Les photos sont issues de la nouvelle campagne publicitaire de Juicy Couture, dont Dylan est l'un des modèles. Près de 5 000 des 51 000 abonnés de Véronica Loubry ont liké sa publication. Pourtant, dans les commentaires, une utilisatrice un peu critique déplore un détail, dommage d'avoir fait du botox dans les lèvres. Du botox, lui a répondu Véronica Loubry. Vous n'avez pas honte de sortir des inepties pareilles? Déjà elle a 16 ans et en plus elle est comme ça depuis petite. Du botox, vous m'avez fait ma soirée. Elle a illustré ses propos en partageant, toujours sur Instagram, une photo de sa fille enfant qui montre que Dylan Blondeau n'a nullement eu besoin d'une quelconque intervention cosmétique pour obtenir cette bouche parfaite. Je suis une maman qui sort de ses gonds, expression obsolète, lorsque j'entends des inepties sur le botox dans les lèvres de Dylan, le naturel existe aussi madame, elle a sa bouche depuis petite, c'est embêtant de se justifier mais parfois il le faut, écrit la maman en légende. Embêtant mais parfois nécessaire, en effet.